La petite musique qui va bien pour dire qu'il est 11h30. Donc, à nouveau, bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à la donnée technique des bâtiments. Je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent, donc on va attendre un petit peu. Mais avant de commencer, j'espère déjà que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Vous pouvez interagir via le chat pour. Pour vous manifester et nous dire si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Pour pareil, même question, si vous m'entendez bien. Alors, ça commence à réagir. Bonjour, oui. Voilà, Super. parfait. Ça réagit bien. OK. Bon, en attendant de laisser les autres participants se connecter. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, quelques mots sur CFC Formation. William, si tu peux, t'as la main, si tu peux changer de slide. Parfait. Donc CFC Formation, nous sommes un organisme de formation spécialiste de la commande publique et de la maîtrise d'ouvrage public. On a aujourd'hui plus de 170 thèmes de formation différents dans ces domaines-là. Et on accompagne depuis 30 ans les acheteurs publics, les gestionnaires de patrimoine bâti dans le développement de leurs compétences métiers. L'aventure avec Audigon Conseil et William Allemand date d'il y a une dizaine d'années. Et donc, on construit ensemble des modules de formation visant à armer les directions de services techniques d'outils et de méthodes pour qu'elles aient une meilleure maîtrise de leur patrimoine immobilier. Donc aujourd'hui, avec William, on a décidé d'aborder le sujet de la donnée technique comme levier d'optimisation de la gestion patrimoniale. Mais c'est un vaste sujet. Comment identifier la donnée technique? Comment la collecter, l'exploiter? C'est ce que vous vous exposez, William et Sébastien, au cours de ces 45 minutes. Alors, vous avez bien sûr la possibilité d'alimenter les échanges en posant vos questions via le chat, et en bas de la fenêtre, certains déjà utilisés et auxquels bah, William et Sébastien répondront soit au fil de l'eau, soit à la fin de ce webinaire. Donc sans plus attendre, il est 11h32, je laisse la parole à toi, William, et bon webinaire. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous qui se sont connectés. Donc, Odigo Conseil, nous, on intervient auprès de tout le secteur public, de tous les acteurs publics pour les accompagner sur leur stratégie immobilière et sur leur gestion immobilière. Donc, on est spécialisé de ça. On est deux là aujourd'hui et on va essayer d'animer ce webinaire de façon à ce que vous appreniez plein de petits tips. Que ça vous donne envie de creuser ce sujet qui nous passionne. On va commencer par aborder la question liée à la stratégie immobilière, parce que nous, on pense que pour arriver à vos fins, il faut commencer par une bonne vision stratégique sur votre patrimoine immobilier, notamment pour relever tous les enjeux sociaux, environnementaux, énergétiques. Donc, en premier temps de ce webinaire sera consacré à cette dimension-là. Et on vous montrera le lien entre les données à collecter et la construction d'une vision stratégique de qualité. Une fois que nous aurons abordé ce sujet, on déclinera sur en quoi un inventaire complet du patrimoine ou un inventaire ciblé du patrimoine peut vous aider dans la gestion de votre patrimoine immobilier, quels sont ses apports, quels sont les outils. Et on verra un peu comment, quand on part de rien, on peut arriver au nirvana, et même si on a déjà quelque chose, comment on peut cheminer de telle sorte à arriver une meilleure qualité d'information qui va vous aider à obtenir de meilleurs résultats sur vos opérations et sur votre gestion quotidienne. On vous donnera à la fin de ce webinaire de vrais cas sur lesquels on a pu constater les bénéfices de ces méthodes, quand la donnée est au service des équipes et quand la donnée est au service de vos opérations, vous verrez qu'on obtient des résultats qui sont vraiment de qualité et on vous aiguillera quasiment à la fin de ce webinaire sur une solution
pour que ces informations que vous auriez collectées à un moment donné puissent vivre dans le temps et soient toujours d'actualité. Donc, trois temps, donc, cette petite présentation de l'ordre du jour a laissé comme ça arriver les retardataires qui ne manqueront rien de la suite. Donc, un petit rappel du contexte qu'on a mis à jour pour ce webinaire, on fait ça régulièrement. On a regardé un peu les derniers chiffres de l'Observatoire des finances et de la gestion des publics locales en date de 2023. Ça ne s'arrange pas au niveau des budgets publics des collectivités locales. On a une décroissance progressive constatée que ceux parmi vous qui sont collectivités locales doivent ressentir, puisqu'on a en moyenne une diminution des budgets des collectivités locales de plus de 10%. Et en parallèle, quelque chose qui est plus récent et que tout acteur de la gestion technique ressent aussi, c'est que au cours des 5 dernières années, sous l'effet cumulé du Covid, de la guerre en Ukraine, de l'inflation et de la hausse des taux, on a une hausse des coûts construction de plus de 20% des coûts construction et de maintenance. Donc on a cette situation un peu paradoxale que les budgets globalement diminuent ou n'augmentent pas et que par ailleurs, les coûts de travaux, eux, augmentent. Même plus fort que la baisse des budgets. On a aussi deux autres éléments de contexte relativement importants, puisque depuis une vingtaine d'années, on a un mouvement de fond lié au vieillissement de notre population qui nous pousse à adapter nos constructions, nos bâtiments neufs, mais notre existant aux populations vieillissantes et aux personnes en situation de mobilité réduite. On a ça très fort pour ceux d'entre vous qui sont organismes HLM dans les logements, mais on a ça aussi dans les ERP. Et évidemment, l'enjeu du siècle, si j'ose dire, en tout cas nous on le perçoit comme ça, Observatoire national de la précarité énergétique, ça augmente encore. En France, on a presque 5 millions de ménages en situation de précarité énergétique. Donc une dimension. Un levier environnemental qui est de plus en plus fort, de plus en plus prégnant et qui va nous coûter de plus en plus cher sur nos patrimoines. Si je voulais faire un zoom sur cette dimension environnementale, on vous ferait ressortir quatre éléments. Premier des éléments le plus étonnant d'entre eux, notre impact environnemental du bâtiment en France est relativement important du fait que notre production énergétique n'a pas un impact sur les gaz à effet de serre fort puisqu'on est full électrique. Et sur notre impact à nous en tant que gestionnaire immobilier, 7% concerne le ciment. Sur l'impact du secteur de l'immobilier qui est à peu près de 25%, 7% concerne le ciment. Donc ça plaide pour une transformation de nos habitudes de construction et surtout ça plaide pour un réemploi de nos bâtiments plutôt qu'une démolition-reconstruction alors que les histoires de démolition-reconstruction étaient quand même assez à la mode, entre guillemets, il y a 10 années de ça. Un autre élément de contrainte très fort lié toujours à l'environnement, qui est les zéro artificialisation nette à horizon 2050, c'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas, qu'on soit, qu'on, que notre construction soit faite sur des fonciers qui ne soient pas artificialisés, qui va nous mettre et commence à nous mettre une pression sur les prix des fonciers. Les enjeux de décarbonation avec la stratégie européenne de décarbonation à horizon 2050 et le terme de décarbonation qui était un terme qu'on n'entendait pas trop il y a 3-4 ans, qu'on entend maintenant extrêmement régulièrement. Et enfin, la réduction des consommations dans le tertiaire. Alors, je pense que la plupart d'entre vous qui êtes connectés aujourd'hui ont dû se coltiner un décret tertiaire et des audits du décret tertiaire avec des engagements. Donc tout ça, ça fabrique un contexte normal du fait du réchauffement climatique, mais qui fait pression sur l'immobilier. On se retrouve donc dans une situation quasi inédite, hein. Rarement on a été dans cette situation, dans laquelle, grosso modo, on a moins de budget. En tout cas, ceux d'entre vous qui ont eu plus de budget doivent être vraiment des cas rares. Et il faut qu'ils s'en félicitent. On a de plus en plus d'enjeux. L'investissement que l'on va devoir faire dans notre patrimoine immobilier, ne serait-ce que pour respecter les enjeux énergétiques et de décarbonation, est de plus en plus fort. Et puis, malgré tout, que vous soyez ici
laboratoire de recherche, ou que vous soyez collectivité locale, ou que vous soyez organisme HLM, ou que vous soyez établissement de l'État, bah vous avez un objet social, un service à rendre. Et ce service à rendre, il est de plus en plus coûteux à rendre parce que les travaux sont de plus en plus chers. Donc on a moins de budget, toujours le service à rendre, toujours mieux, toujours des chercheurs mieux installés, des locataires mieux satisfaits, des personnels de collectivités mieux installés, des citoyens qui viennent. Et à côté de ça, on a de plus en plus d'enjeux à relever. Dans un contexte comme ça, quelle est un peu la méthode que nous, on essaie de défendre depuis longtemps, hein, puisque on ne s'est pas trop présenté avec Sébastien, mais on est tous les deux des ingénieurs bâtiments, secteur public, très orientés sur le secteur public. Hein. Actuellement, notre activité est essentiellement sur des acteurs publics, voire totalement. Et moi, ça fait presque 25 ans que je travaille sur ça. Sébastien travaille avec moi depuis presque 10 ans maintenant. La méthode qu'on vous propose, elle est quand même le fruit d'une expérience longue. Elle a été partagée à plusieurs moments avec des instances publiques et elle commence par un schéma directeur immobilier énergétique. Pour nous, la fondation de votre approche est une vision stratégique pour un pâturage durable. C'est vraiment une brique indispensable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un schéma directeur immobilier et énergétique? Alors, il a plusieurs noms, ce qui rend complexe la compréhension. Il s'appelle SDIE pour l'ADEME, donc qui est un terme que nous employons assez régulièrement, puisqu'on parlait beaucoup de schéma directeur immobilier il y a 4-5 ans en arrière. Il s'appelle plan stratégique du patrimoine pour les organismes HLM, ainsi que toute leur déclinaison et la récente version plus énergétique qui est ressortie récemment. Et il s'appelle schéma pluriannuel de stratégie immobilière pour l'État et tous ses établissements de rattachement. Mais en fait, il s'agit pour vous d'une démarche à peu près identique dans tous les cas. Cette démarche, c'est une démarche qui établit d'abord les forces et faiblesses du patrimoine par rapport au service que l'on rend et par rapport aux enjeux que l'on doit relever. C'est ce que nous appellerons les données. Parfois, vous entendez beaucoup parler de données, certainement en ce moment, mais une donnée, c'est d'abord une information clé qui décrit quelque chose sur votre patrimoine. Donc, le premier travail de ces démarches, c'est de choisir les données importantes pour votre patrimoine dans votre contexte, de les compiler, de les collecter, et sur la base de ces données, de faire des choix un peu rationnels d'une route stratégique pour votre patrimoine. Généralement, on va faire cet horizon autour de 9-12 ans. 12 ans pour ceux qui ont parmi vous des mandatures de 6 ans. Alors, on aime bien faire des stratégies de 6 plus 6. Pour tous les autres, on fait souvent 10, parfois 9. Et on se dit, voilà, moi, j'ai 20 bâtiments, 30 sites, 700 sites, 1000 sites, j'ai 2 millions de mètres carrés. Eh bien, pour chacun des sites, pour chacun des bâtiments, on se donnera une grande orientation. Celui-là, je l'améliore, celui-là, je le réhabilite, celui-là, je le requalifie. Et on va chiffrer ça et on va essayer de construire cette vision avec l'ensemble des services en votre sein concernés par le bâtiment, ceux qui l'utilisent, mais ceux qui le gèrent, et aussi des parties prenantes extérieures, ceux avec qui vous collaborez. Quand vous êtes centre de recherche, bah, vous collaborez beaucoup avec les universités. Quand vous êtes CROUS, pareil, vous collaborez avec les universités. Quand vous êtes organisme HLM, bah, vous pouvez collaborer avec des CROUS parce que vous avez du patrimoine, mais aussi avec des EPCI. Quand vous êtes collectivité, vous avez beaucoup de parties prenantes. Donc l'objectif, c'est je constitue mes données en écoutant tout le monde en mon sein et en dehors. Je donne les grandes orientations sur mon patrimoine et je vérifie que financièrement, ça cale à peu près avec mes budgets. Évidemment, tout ça, je dois tenir compte des objectifs que me donne ma gouvernance. On ne fera pas la même stratégie immobilière avec un maire qui nous dit qu'il veut baisser les consommations énergétiques de toute la commune de 10% en horizon 5 ans qu'avec un qui nous dit que ce n'est pas du tout sa préoccupation. Et ces approches-là vont nous permettre de donner un fil, un guide à notre gestion patrimoine.
Mais avant que nous allions plus loin, on va essayer d'éveiller un peu votre curiosité et on va vous poser une petite question. Donc, on va faire un petit sondage, on va vous afficher la pop-up devant vous. Si vous le voulez bien participer à notre petit jeu, ça serait sympa. Donc, la question que l'on vous pose, qui n'a rien à voir avec le secteur immobilier, mais vous comprendrez pourquoi on vous pose cette question plus tard, c'est: savez-vous combien d'informations clés il faut pour prédire tous les mouvements planétaires dans tout l'univers, tous les objets stellaires? Donc, il faut avoir fait un peu d'astronomie ou avoir déjà entendu cette question-là. Combien de quantités d'informations il faut pour savoir si la Terre va faire un mouvement elliptique ou sur la planète dans la galaxie lointaine à partir de quoi les astronautes se basent comme information pour déterminer ça? Donc, ça dépasse un peu l'entendement, hein, parce qu'on parle de toutes les données stellaires de tout le monde. Enfin, vous êtes 21 à avoir répondu, vous êtes presque plus de 50 maintenant connectés là, donc peut-être on va attendre un peu, parce qu'il y a voilà, 26, 27, on a une petite Alors, c'est vous, hein. L'idée, c'est d'avoir une idée de ce que ça peut être. Voilà, ça continue, 37, 38. On va attendre encore une petite minute. Allez, dès qu'on dépasse. Ah, il y a ceux qui ne répondent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas ou ils ne savent pas. Ça a l'air de se stabiliser à 40. Allez, je prends les 40. Ah, 41, il y en a un qui s'est lancé. Pour l'instant, 39% d'entre vous, 40%, on est presque à la moitié, pensent qu'il faut 2756 informations différentes, 22% 104, 12% 21. Et il y en a donc 27% qui ont raison, puisque c'est 6. Donc, c'est 6 données uniquement qui vous permettent de déterminer le mouvement des planètes sur toutes les planètes. Donc, on peut peut-être enlever ce petit sondage. Alors, je pense qu'il faut que vous la fermiez chacun. Je ne sais pas si tu peux enlever la pop-up de tout le monde, Laure. Merci en tout cas d'avoir participé à ça. Et donc, pour les 39% qui ont dit 2756, je vous invite à vous jeter sur Wikipédia pour avoir les 6 qui sont les drivers. Donc, eh ben en fait, votre schéma directeur immobilier, c'est pareil. Il ne faut pas beaucoup de données. C'est contre-intuitif. Le fait qu'on imagine qu'on ait besoin de faire un inventaire extrêmement important du patrimoine pour pouvoir bâtir un schéma directeur immobilier énergétique. Donc, on se dit que c'est peut-être compliqué, donc, ou alors on l'attaque par un gros inventaire de tout et finalement, à la fin, c'est compliqué d'arbitrer. Il faut moins de données qu'on l'imagine. Alors, je vous le concède, ça n'est pas 6, ça va être le double. Donc, il faut plus de données pour votre schéma directeur immobilier que pour déterminer le mouvement des planètes. Les premières données, c'est des éléments d'environnement et d'implantation, des éléments sur la conception des bâtiments, des éléments sur les utilités. Sur la qualité technique des ouvrages, il faut retenir la sécurité, les aspects de décarbonation, donc les éléments qui vous permettent de mesurer la performance énergétique de vos bâtiments. Un scoring de la vétusté des ouvrages. Il faut avoir, comme on le disait tout à l'heure, l'avis des parties prenantes, souvent déterminé par les dynamiques sociodémographiques, les politiques urbaines locales, toutes les stratégies des partenaires, connaître vos moyens financiers, vos ressources humaines et avoir une idée sur vos outils numériques. Eh bien, avec ces 12 données-là collectées sur votre patrimoine, si on choisit bien les méthodes, on peut facilement, et c'est ces données-là qui sont drivers de votre schéma directeur immobilier. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent, un inventaire technique ultra précis n'est pas nécessaire. Il faut surtout travailler la qualité et le partage de quelques données clés qui vous permettront de faire la part des choses entre les bâtiments que vous allez garder dans votre patrimoine et les bâtiments que vous allez améliorer et ceux que vous allez juste maintenir en l'état. Pourquoi d'abord faire ça? Mais puisque ça vous permettra dans un second temps de vous concentrer sur vos patrimoines en jeu pour collecter la donnée. Parce que en fait, pour mettre en œuvre efficacement ce schéma directeur immobilier,
Il faudra venir collecter d'autres données, peut-être plus opérationnelles, peut-être plus nombreuses, pour réussir à conduire vos opérations. Donc, on a le schéma directeur immobilier énergétique. Il va puiser dans un inventaire numérique des données clés pour donner des résultats, vous orienter sur votre patrimoine. Et quand vous aurez à conduire vos opérations, à conduire votre politique d'achat qui découle de vos grandes orientations, alors on viendra collecter de nouvelles données. Et ces nouvelles données, elles vont être choisies pour mieux construire vos marchés, mieux regrouper vos achats, arriver à mieux déterminer le contour de vos opérations et surtout les quantités surfaciques lorsqu'on a besoin de faire des travaux sur des corps d'état à surface comme les façades ou les sols. Ces données, elles sont beaucoup plus nombreuses, vous allez le voir, hein, sur le patrimoine. Et on va devoir collecter des propriétés plus précises, des propriétés d'implantation plus précises. Pour les opérations, on va essayer d'avoir des documents qui sont plus le reflet de vos plans, tant que vous pouvez en avoir. On va avoir besoin de données sur les équipements plus détaillés, avec des quantités un peu plus précises, des états un peu plus précis, des natures, des matériaux. On peut parfois, dans certains cas, quand on a des gestions d'équipements particulières, notamment par exemple dans un laboratoire confiné ou quand on est dans les îles, d'avoir des stations d'épuration individualisées, on peut avoir des propriétés particulières à collecter sur certains équipements. Quelque chose d'extrêmement important qui est l'historique des travaux qu'on a fait dans le passé, d'avoir tous les événements sur les équipements, c'est-à-dire qu'il vous faut la description de votre patrimoine, de vos équipements et de ce qui se passe dessus, les désordres techniques, les demandes des utilisateurs, les interventions curatives, les éléments de maintenance. Et évidemment, parfois, il faut aller chercher des données au sein des entreprises, données qui sont souvent de qualité. Et puis enfin, tous les éléments liés à vos diagnostics, à vos commissions de sécurité, à vos diagnostics à la relocation pour ceux qui louent, à vos diagnostics de vos prestataires de sécurité, au premier rang desquels vos diagnostics énergétiques, ceux qui découlent du décret tertiaire, les diagnostics amiantes qui restent une préoccupation importante. On peut, pour certains d'entre vous, décliner tout ce qui est plomb, radon, tous les diagnostics liés aux enjeux de cette nature, et les trois diagnostics clés du schéma directeur immobilier. Tout ça constitue un inventaire de votre patrimoine. Vous voyez que là-dedans, il y a déjà ce nombre de données que j'ai citées pour le SDIE. Donc le schéma directeur, on a surtout besoin de ça, et pas trop de ça. Excusez-moi. Et de ça. Et pour mettre en œuvre votre gestion opérationnelle, on a besoin d'avoir une information plus complète sur le reste. Comment on va faire pour arriver à avoir cette information? Eh bien, on va la collecter. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'informations, mais elles sont dans des fichiers Excel un peu épars, dans la tête de personnes qui gèrent ça. Donc, il faut la rassembler. On a plusieurs canaux pour la rassembler. Soit on la collecte sur le terrain, soit on rassemble les fichiers Excel. Et une fois qu'on l'aura collectée, il faut la compiler dans des outils. Donc, le premier outil, et là nos clients, ceux avec qui nous discutons, ont du mal à nous avancer le coût de l'outil, puisque celui-là est gratuit quasiment pour tous. Au minimum, on collecte la donnée dans un fichier Excel. Alors, on est d'accord, Excel, c'est simple, c'est pas cher, parce que c'est déjà installé sur vos postes, c'est payé ailleurs, vous n'avez pas besoin de négocier quoi que ce soit en interne. C'est le gros avantage. Par contre, partager un fichier Excel, c'est plus de risques de perte de données que dans des systèmes intégrés. C'est des données parfois compliquées à partager parce que travailler tous ensemble sur un fichier Excel, ce n'est pas facile. C'est possible, mais ce n'est pas facile. C'est des données plus difficiles à actualiser parce qu'on n'a pas de fiche de relevé, d'interface de saisie. On a du mal à travailler ça avec Excel en mobilité parce que c'est compliqué d'avoir son PC ouvert ou d'avoir des engins mobiles, des smartphones qui permettent de travailler facilement sur des fichiers Excel. Et surtout, on n'arrive pas à faire de lien avec des diagnostics ou des plans, pas avoir de documentation. Donc, on vous en montre un parce que on voulait vous présenter quelques cas. Donc, moi, je vous montre
Voilà, je vous en montre un d'un dossier réel qui est un fichier Excel structuré par nous pour un client et qui vous permet déjà d'avoir une base de données. Sébastien, on voit bien le fichier Excel, on est d'accord? Oui, c'est bon, voilà Donc la liste du là, patrimoine, hein. voilà, alors on a une liste du patrimoine. Alors, deux, trois petits tips, surtout pas faire un onglet un patrimoine, parce que c'est compliqué dans Excel, ça, plutôt être en base de données comme ça. Le plus courant, on fait ici des ensembles immobiliers et ici les données qu'on collecte. On a là une première salve de données qui décrit sobrement le patrimoine et derrière, on va collecter de la donnée stratégique et opérationnelle. Là, vous voyez un code SDIE, des désignations des codes et si je déroule, vous allez avoir colonne par colonne tous les éléments de données qui vont vous permettre de constituer vos informations et qui vont vous permettre de faire vos chiffrages de travaux. Donc là, si je continue un peu à droite, pardon, si je continue un peu à droite, voilà, vous verrez qu'on a les synthèses des données qui vous permettent là d'avoir tout ça compilé en un seul endroit. Bon, on comprend bien spontanément en le voyant, ce n'est pas très joyeux. On navigue dans les fichiers Excel, ça fait beaucoup de filtres, mais quand même, c'est une première base indispensable. Deuxième solution qui vous permettrait d'arriver à vos fins, c'est un vrai outil de ce que nous appelons la gestion technique de patrimoine, ça, la GTP, certains d'entre vous l'ont entendu, la GTP, la GTPAO, la GMAO. Donc là, on peut avoir d'autres types d'outils totalement intégrés. Les données sont partagées et consolidées, l'ergonomie est beaucoup plus sympa et on peut avoir des principes de collecte de données multicanal. Je vous montre un exemple. Voilà, d'un outil. Là, j'ai déjà passé les étapes de connexion, mais où on va pouvoir venir cliquer. Vous voyez là, dans cet exemple, on a six patrimoines partout en France. On va pouvoir venir cliquer, avoir des informations plus localisées. Sur les plans de ce patrimoine. On va pouvoir le voir en liste. On va pouvoir ouvrir des écrans de chacun des niveaux de patrimoine avec des choses un peu plus ergonomiques que l'on peut partager avec des droits dans lesquels vous allez pouvoir compiler des plans et vous allez pouvoir compiler vos performances énergétiques, avoir vos étiquettes, faire vos évaluations. Donc, on a la possibilité aujourd'hui simplement de disposer d'outils dans lesquels on peut retrouver ces diagnostics ou on peut retrouver aussi les éléments de grande caractéristique de chacun des patrimoines, ses localisations, ses informations, les informations des gestionnaires, les scorings, les photos, les équipements aussi. Donc, ce type de système va vous permettre plus facilement de donner un certain nombre d'informations sur les choses que vous gérez. Et l'étape ultime, si j'ose le dire, de cette informatisation à petits pas de vos données pour que vous puissiez faire vos schémas directeurs et vos opérations, c'est le BIM, sur lequel on peut avoir une modélisation de votre patimap 2D, 3D. Ça peut être hybride, c'est-à-dire nous, on est très promoteurs de ça sur un même patrimoine. Ben, j'ai fait deux, trois opérations en BIM, mais tout le reste est dans des plans normaux. Eh ben, j'utilise le BIM pour les deux, trois et pas pour le reste. On peut tout à fait mélanger, tips importants, le 2D et le 3D. Ça se fait beaucoup. Et avoir donc ce cheminement qui d'abord compile sous Excel, puis après se choisit un produit du marché, une GTP, et puis après, à l'appui de cette GTP, rentre dans le BIM. On va avoir un niveau de précision plus grand au fil de notre compilation de données. Avec Excel, n'essayez pas de gérer plus de 20 équipements types par bâtiment parce que c'est vite ingérable. Et donc, on va quand même avoir cette finesse d'analyse. 10, 12, 15, 20, c'est ce qu'on fait le plus souvent, type d'équipement par bâtiment. Si vous passez avec un outil de GTP, vous pouvez monter à 80 équipements sans problème, 80, 100, et le BIM, on arrive à décrire plus de 900 équipements.
Donc, une meilleure connaissance du patrimoine, ça va vous produire du gain de temps, de la meilleure productivité, ça va vous produire du gain financier. On a un petit truc qui arrive, hein, vous en êtes certainement aperçu. Le petit truc qui arrive en question, c'est l'IA. Donc, nous, on est très promoteurs de ça. On a pris l'habitude de faire une petite démo avec ChatGPT. Donc, je vous la refais, hein, on va reprendre un petit élément. Donc, là, je vais donner à ChatGPT, d'accord? Je vais lui donner, alors pas ça, une photo. Voilà, une des photos, je lui donne une photo de nos locaux, d'accord? Là, je la prends bêtement dans mon explorateur, je la bascule là, d'accord? Et je vais lui demander de faire quelque chose, c'est-à-dire de faire ça. J'ai préparé les éléments pour que voilà, mais on le lit ensemble. Je lui demande de disposer d'un tableau avec tous les équipements qui sont contenus sur cette photo, les matériaux, le nom, en me disant que cette photo peut être pour moi un outil de collecte. Donc, je lui ai donné ça. Je lui demande de me donner le tableau. Donc, moi, mon projet, c'est à partir de cette photo-là, comment j'arrive à recenser mes équipements, comment j'arrive à voir les éléments que je gère, simplement à partir de ça. Je le fais en live, hein. Donc là, il retraduit la photo. Alors, il va me. Là, il le met en anglais, mais je vais lui demander en français après. Et il me fait la liste des éléments que je lui demande. Je vous donne le résultat que j'ai obtenu 2 minutes avant pour gagner du temps dans ce webinaire. Mais vous voyez, il nous donne, j'ai un bureau en bois et métal, quantité 10, état bon, et il me donne toute la liste des éléments qui sont dans cet élément-là. Donc l'IA, ça va nous servir dans pas très longtemps à reconnaître des équipements sur site de façon beaucoup plus simple, à hiérarchiser et exploiter les informations du bâtiment, à identifier les travaux prioritaires, à automatiser des tâches. Juste avant, je faisais un autre cas d'usage, je lui ai donné un diagnostic amiante et il m'a traduit dans le diagnostic amiante ce qu'il y avait comme résultat. Donc, on va bientôt pouvoir disposer de ces technologies-là. Donc, une GTP, ça se fabrique comment? Bah, d'abord, on fait une liste Excel, ensuite on passe à la GTP alphanumérique et après on viendra compléter avec du BIM et de l'IA. Nous, on propose une méthode vraiment incrémentale, du pas par pas, où on passe les étapes les unes derrière les autres. On va venir ici récupérer les infos qui sont dans la GMAO et progressivement récupérer aussi les infos des fournisseurs. Tout ça, ça va nous fabriquer un système d'information qui s'appelle de la GTPAO. Et cette utilisation de l'information qui est d'abord centralisée parce que souvent au début on est avec deux, trois personnes du siège pour constituer cette information et après on la envoie très vite dans les mains des personnels sur le terrain avec des outils de mobilité. On verra pourquoi à la fin de ce webinaire. Et on essaie d'avoir en dernier stade des outils partagés. Donc tout ça, c'est pas de la science-fiction. Vous qui êtes là, sachez que nous, on travaille sur ça depuis longtemps et on a déjà des clients qui sont dans ce mode-là, qui utilisent le BIM, qui récupèrent des données des fournisseurs, c'est-à-dire des entreprises, et qui partagent de la donnée avec des tiers à l'extérieur et avec des équipes internes qui sont à la fois centralisées et à la fois sur le terrain. C'est possible de le faire, ça n'est pas compliqué, c'est juste une question de bien maîtriser les aspects numériques de notre métier, tout en l'employant comme il faut dans vos contextes. Donc, cette gestion technique partagée des interventions, elle passe par une mise en œuvre d'outils qui sont aussi en mobilité. On doit pouvoir s'appuyer sur ces outils pour anticiper les travaux du futur, on doit pouvoir utiliser ces données et ces outils pour prévoir des travaux dans le futur, et on doit pouvoir réaliser et suivre les travaux de maintenance corrective et aussi préventive pour lier tout ça. Donc, on vous donne là quelques exemples concrets d'études que nous avons produites. Premier exemple concret, chez un bailleur social qui gère 6 000 logements,
On est dans un contexte où on intervient à ce moment-là pour faire un audit de sa connaissance technique et voir comment on peut optimiser ses interventions. On vous parle d'un dossier d'il y a 3-4 ans. Eh bien, on a identifié que 40% du temps des équipes était consacré à chercher des informations. Et maintenant, on les a accompagnés, on est dans une démarche de long terme, on travaille toujours avec eux. Et aujourd'hui, ils ont la plupart de leur patrimoine en mode BIM, ils se sont dotés des outils numériques qu'il faut, et ce temps-là, eh bien, ils ne le perdent plus. Autre cas plus récent, puisqu'il date d'il y a 6 mois, on a travaillé avec un gestionnaire d'aéroport international, donc rien à voir avec le bailleur social. Et très étrangement, on tombe dans ces deux cas sur la même évaluation du temps. Environ 40% des équipes techniques travaillent à chercher des données, chercher des plans, compiler des informations. Dans ce cas, lors de notre dernière présentation, c'est presque 30 équivalents temps plein que l'on peut réemployer à faire autre chose. Donc, on a là des gisements d'économie sur votre efficacité opérationnelle du quotidien. Et de toute façon, vous le savez bien, vous tous, je pense que vous-même, vous passez beaucoup d'énergie à trouver des informations que vous n'avez pas ou à aller demander à Pierre-Paul Jacques ces informations. Le fait de leur partager, le gain de temps est massif. Oui, d'ailleurs, point important, on se focalise ici sur le gain de temps, mais une donnée incomplète ou inexacte, bah, elle va occasionner aussi des manques de précision ou des chiffrages plus forts, ou même le fait de devoir réeffectuer des prestations déjà assurées, hein. C'est le cas dans les exemples ci-dessus. Le fait de refaire des diagnostics amiante, par exemple, on ne savait pas qu'ils avaient déjà été faits, ils étaient stockés dans le bureau d'un tel, on n'arrivait pas à les retrouver dans les archives papier. Donc, il y a certes la plus grosse composante qui est la perte de temps, la perte d'efficacité du travail, mais on a aussi d'autres risques, en termes financiers notamment. Et c'est possible d'identifier ces risques, c'est possible d'identifier les données. C'est un peu la même histoire que les mouvements des planètes. Nous, on est surpris à chaque fois de s'apercevoir que, en fait, si on collecte mieux 7-8 données, on gagne déjà 80% de cette perte de temps. Et parfois, en collectant mieux 2 données, on fait directement des économies sur l'entretien courant, parce que c'est souvent la règle des 80-20 qui apparaît où 20% des informations qui nous manquent provoquent 80% de notre perte de temps. Donc, manque de données égale perte d'efficacité. Retrouver cette efficacité, ça n'est pas compliqué. Il faut juste passer le temps à bien écouter les gens dans les services et identifier les informations qui leur manquent depuis le plus fréquemment, soit pour optimiser les investissements que vous conduisez, soit pour optimiser leur temps. Autre élément, c'est que non seulement vous pouvez faire gagner du temps à vos agents, mais vous pouvez aussi avoir des économies sur vos coûts d'exploitation et sur vos investissements de façon pérenne. Vous avez les enjeux dont on a cité, notamment l'énergie. Vous avez parfois des coûts d'exploitation assez forts sur le ménage. Vous avez aussi vos travaux d'entretien. Tout ça, vous pouvez activer les données pour maîtriser vos coûts. On a quelques exemples concrets. Là, on vous donne l'exemple, un pour nous est le plus parlant. On a accompagné une région sur ses 1500 bâtiments dans ses lycées il y a quelques années de cela. Donc, c'était un gros patrimoine, hein, 2,5 millions de mètres carrés. On vous a volontairement pris 3 exemples différents, là, un bailleur social, un aéroport et une région. Eh bien, on est arrivé dans le cadre d'une enveloppe qui est quand même pas énorme parce que on constate souvent plutôt 900 euros du mètre carré sur du tertiaire comme ça. Donc, avec 630 euros hors taxe du mètre carré de surface de plancher, on est arrivé à conduire une politique cohérente de rénovation énergétique, de travaux sur les demi-pensions qui, dans leur cas, représentent un coût énorme et de mise à niveau technique du patrimoine. On l'a fait avec toutes les équipes du lycée et à la fin, on avait un plan d'action où tous les opérationnels avait une vision claire pour un montant de 630 euros du mètre carré. D'une situation initiale où on ne savait pas comment on allait s'en sortir avec cette enveloppe budgétaire, eh bien on est arrivé à trouver un chemin pertinent, cohérent. Là, on vous donne quelques exemples volontairement pas des nôtres, puisqu'on vous a donné 3 sources de cas qui viennent de chez nous. Donc, on a compilé un bréviaire d'études que nous suivons dans le cadre de nos formations sur le BIM ou de nos missions d'accompagnement
ou même de notre implémentation de solutions BIM dans nos solutions à nous. Donc, on a plusieurs études là qu'on a compilées depuis plusieurs années. Une étude du TÜV Sud. Tu nous rappelles, Sébastien, le TÜV, ce que c'est? Ouais, ça va être un bureau d'études qui va accompagner de grands groupes, hein, que ce soit des industries, notamment des entreprises, au travers d'audits ou d'améliorations de processus, donc notamment liés aux travaux, à l'énergie et bien sûr avec le prisme d'économie financière. On a une étude de cas sur un bâtiment à Wellington. On a McGraw Hill Construction qui a produit pas mal d'études de cas. Le BCG Consulting aussi que nous on suit depuis longtemps. Les REX qui ont été faits sur le Saint-Louis Art Museum. Une étude de cas sur le 39 Victoire Street en Angleterre. Le PUCA qui a produit deux études dans le secteur HLM. Tout le monde est convergent. Le BIM peut entraîner des économies allant de 15 à 20% sur les budgets de construction et sur les coûts opérationnels de gestion, on monte jusqu'à 30% avec une certitude d'obtenir 5%. Donc, le BIM a un réel effet. Alors, il y a dépassé l'impression que l'on a au début que c'est compliqué, mais dans les faits, il n'y a pas de débat sur l'économie que ça provoque. Dernier élément de notre propos, avant peut-être de vous passer la parole et de répondre un peu à nos questions, puisqu'on est à 41 minutes de notre présentation, on avait prévu 45. Le maintien à jour des données que vous avez compilées est primordial. Ça n'a pas de sens. Il faut commencer par comment je vais maintenir à jour. Retenez ce tips, voilà, de notre expérience à nous. On a des bailleurs de notre connaissance qui ont fait l'effort de faire du modèle 3D de tout leur patrimoine et qui nous avouaient il y a 12 mois avoir fait cet effort un peu en vain parce qu'ils n'avaient pas réussi à maintenir cette connaissance. Donc, il vaut mieux peu de données maintenues dans le temps et des données bien choisies que ne pas maintenir dans le temps ces données. Et nous, on a une croyance et quand on arrive à mettre ça en œuvre, je peux vous dire que c'est vraiment efficace, c'est qu'une donnée n'est tenue à jour que parce qu'elle est utile et utilisée. Si elle n'est pas utilisée, la donnée, elle ne sera pas maintenue. Il faut que quotidiennement, dans toutes vos opérations, vos personnels sur le terrain, vos monteurs d'opération ou vous-même, vous ayez besoin de ces données. Il est inutile de faire un inventaire pour faire un inventaire. Il faut un inventaire qui sert une amélioration de quelque chose. Si on est dans cet état d'esprit, la donnée, il faut que vous fassiez en sorte qu'elle soit utilisée par tout le monde. Il faut qu'elle soit sur les téléphones, sur les tablettes, sur les PDA durcis, sur les PC portables, pour que les gens, en utilisant la donnée, vous la mettent à jour. Alors, bien sûr, il faut mettre en place des systèmes de gouvernance de la donnée, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas d'erreur et que ça soit bien drivé en centrale. Mais il est là un cercle vertueux à trouver. Vous faites votre SDIE en vous concentrant sur les données clés de votre SDIE. Vous zoomez vos opérations. Dès que vos premières opérations commandent, faites bien la liste des données que vous voulez collecter. Organisez-vous dans le cadre de l'opération pour que les données vous soient collectées. Faites vos DOE des choses utiles. Arrêtons avec les classeurs dans les qui finissent dans des armoires, dans les couloirs, tout le monde sait que ça ne sert à rien. Demandez dans les DOE les données qui sont importantes pour vous, demandez-les sous format numérique. Faites de vos opérations et de votre gestion quotidienne le moyen de maintenir à jour vos données. Vous les faites remonter dans votre base centrale, votre fichier Excel si vous n'avez rien d'autre. Et à partir de là, l'ensemble de ces informations vous seront utiles pour affiner votre schéma directeur immobilier et vous êtes dans le cercle vertueux. Votre stratégie est de plus en plus fine parce que vos données sont meilleures et la mise en œuvre opérationnelle est de plus en plus simple parce que vous cherchez de moins en moins vos données. Vous arrivez de plus en plus à le faire dans vos budgets parce que vos données vous permettent de réduire vos budgets et d'être plus fin. C'est vraiment cette méthode-là que nous, on vous propose de découvrir dans les nouveaux modules qu'on vous a montés là peut-être. Avant de passer la parole à l'audience, Laure, tu peux nous en dire un mot? Oui, alors pour aller plus loin, effectivement, on a mis en place un certain nombre de formations qui reprend un peu ton approche. La première, c'est
C'est une nouvelle formation sur construire et exploiter un inventaire technique de son patrimoine immobilier. Là, William vous a montré l'enjeu et les résultats qu'on peut obtenir. Cette formation vise à vous donner des outils, des méthodes pour vous accompagner dans sa mise en œuvre. La deuxième formation, c'est sur la stratégie immobilière du plan, le PSP, quoi, le SI, le SDIE ou PSP. Donc là, c'est vraiment une formation sur 2 jours pour construire son propre plan stratégique. Donc, vous venez avec vos infos, vos données, justement, et l'idée, c'est de repartir avec une construction de ce plan stratégique. Et puis, on a fait une formation vraiment pour ceux qui débutent dans le BIM, même si le BIM, on en entend parler depuis une dizaine d'années. Là, l'objectif, c'est vraiment de reprendre le contrôle du BIM, parce que parfois, en tant que maître d'ouvrage public, vous pouvez être un peu, je dirais, soumis au BIM manager des entreprises que vous faites intervenir. Là, l'idée, c'est que vous preniez le contrôle et que vous puissiez avoir une première démarche dans l'approche de mise en place d'un BIM au sein de votre organisme. Alors, il n'y a pas trop de questions, mais moi j'en ai une en t'écoutant, William. Vous prenez, William et Sébastien, vous prenez une approche, je dirais, progressiste par étapes. Mais si je pars de zéro et en termes de gestion de patrimoine, j'ai très peu de données, est-ce que j'ai intérêt quand même de démarrer par étape 1, Excel, 2, GTB et après peut-être quelque chose de plus complexe? Comment je peux faire? Alors souvent on a cette question, effectivement, on a la question de bah, j'ai l'impression que c'est un peu une montagne, le truc par quel bout je commence à la gravir. Ça dépend un peu des contextes, c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais tout seul, on peut déjà commencer sous format Excel. On peut déjà, sans même se poser de questions, organiser la donnée avec une liste de patrimoine immobilier, des colonnes avec des données, et on partage ça au sein de l'équipe. On peut commencer tout seul à petits pas. Et même nous, quand on accompagne, on va adapter les méthodes en fonction de la situation de départ. On peut de temps en temps passer de rien à l'outil de GTP, mais pour alimenter l'outil de GTP, on aura de toute façon besoin de mettre des choses dans Excel. Donc cette méthode, elle est progressive, elle permet d'y aller simplement, elle permet de s'engager dans le cercle vertueux. Donc oui, une première approche qui consiste à faire un schéma directeur immobilier avec un certain nombre de données dans un fichier Excel pour commencer, qui nous amène après à faire un inventaire plus complet dans un outil, de façon progressive est vraiment la bonne méthode. D'accord. Alors, il y a une question là par rapport aux outils. Tu as présenté l'outil Novamat Plus. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui existent sur le marché? Oui, il y en a. Il y a des outils historiques de la GTP hein, sur le marché, que sont Active 3D et Abila de Stonal. Il y a un outil qui est un peu plus ancien qui s'appelle Aztec. Il y a l'outil de Novamap. Donc, il n'y a pas un désert d'outils, quoi. C'est pas, là, je ne montre pas la science-fiction. Les outils existent. Sourcez-les. Interrogez-les, faites-vous faire des démos. Il y a plusieurs outils possibles pour répondre à ces besoins. Ils ont leurs inconvénients, leurs atouts. Les uns sont plus BIM que les autres. Les uns sont plus récents, plus mobiles que les autres. Il y en a certains qui sont plus ergonomiques que d'autres. Faites-vous votre idée. Moi, dans ce webinaire, je cherche à être un peu neutre. Là, je vous ai montré, voilà, c'était quand même difficile de montrer le nôtre, hein, c'est normal. Mais sourcer, questionner les gens. Et ça coûte cher? Alors, Alors, les outils et la démarche. ça coûte cher. En tout cas, nous, on travaille avec beaucoup de nos clients et on passe en dessous de vos seuils. Donc, ça ne doit pas coûter non plus, ça doit pas coûter si cher que ça. La partie initiale, schéma directeur immobilier, chez quasiment tous les clients chez qui on intervient. Jusqu'à arriver à bien déterminer ces données à collecter dans ces opérations, on est dans des enveloppes qui sont de quelques dizaines de milliers d'euros. On est à 30 000, 40 000, 35 000, 25 000. C'est ça les ordres de grandeur pour rentrer dans cette démarche-là.
faire le schéma directeur immobilier, savoir quoi collecter, avoir ses fichiers. Après, sur les outils informatiques, là aussi, une fois qu'on a fait cette démarche, il s'agit de quelques milliers d'euros par an. Ça va. Après, ça dépend aussi de sa taille, c'est difficile, mais les ordres de grandeur, c'est ça. C'est pas quand j'entends certains de. On avait une séance de formation avec CFC, il y avait quatre bailleurs, quatre établissements la semaine dernière. L'un d'eux me faisait part d'un chiffrage qu'il avait à plus de 100 000 euros. Pour moi, ça, c'est lunaire. C'est simple, c'est juste de la méthodologie. Il faut juste savoir faire. C'est simple, c'est accessible chez beaucoup d'entre vous. Sans vouloir dévoiler, mais une première brique de GTP, 7 000-8 000 euros par an, on a. Ce n'est pas du tout 200 000 euros ou 300 000 euros. D'accord. Et il y a Oui. Michel Chariot qui demande à partir de quel volume d'immeubles, de bâtiments il est intéressant de mettre en place cette stratégie. Eh bien, écoutez, la semaine dernière, dans la formation, il y avait quelqu'un qui s'occupait que des bâtiments culturels et culturels de la ville de Bordeaux. Il avait 5 bâtiments et elle préparait une consultation. Pour moi, cette démarche, elle a du sens. Alors, évidemment, si vous avez votre siège de 2000 mètres carrés et que ça, non. Mais dès qu'on a plusieurs bâtiments positionnés dans des lieux différents, avec des usages différents, bah, c'est intéressant. On a eu en formation l'école polytechnique, ils avaient tous les bâtiments d'école polytechnique, ils sont venus pour du BIM. Bah, c'était intéressant pour eux aussi. Pourtant, ils n'ont pas du patrimoine de l'école polytechnique en France entière. Pour moi, il n'y a pas vraiment de seuil. On a tout type de patrimoine. On est intervenu pour la ville de Paris avec CFC il y a 3-4 ans de ça, sur 4 jours d'intervention. Le patrimoine, il est énorme, il y a 12 millions de mètres carrés. Et la semaine dernière, on intervenait avec une mutuelle agricole, ils ont 500 000 mètres carrés. À côté de ça, il y avait un bailleur social qui a 30 000 logements, 1,5 million. L'exemple qu'on vous a donné tout à l'heure sur la région, c'est 2,5 millions de mètres carrés. Cette méthode, elle s'applique à toutes les tailles et vous aurez les mêmes bénéfices à toutes les tailles. D'accord. En parlant de bénéfices, là, il y a une dernière question parce qu'on a déjà largement débordé. Alors, je la lis. Est-ce qu'avec ces outils, est-ce que l'on peut savoir quel service fait des économies de fluide dans un bâtiment, autre que l'outil OFSI? Oui. Là, ces outils, l'outil que vous allez choisir, il faut qu'il soit paramétrable à vos besoins spécifiques. Donc, quand vous prenez un outil, il faut que vous puissiez créer des propriétés qui vous appartiennent à vous, que vous êtes les seuls d'avoir envie de suivre dans des cas particuliers. Il vous faut quand même avoir des Sachas en face de vous qui structurent des propriétés où vous avez tous besoin. Vous avez tous besoin des surfaces. Donc, ce n'est pas la peine de faire une propriété personnalisée pour vous, pour les surfaces. Par contre, tous nos clients ont des trucs très particuliers. On était avec la région Normandie il n'y a pas très longtemps dans une démarche de sourcing et eux, ils avaient des besoins dans la gestion de leur servitude, de leur mise à disposition de leur terrain. Eh bien, très bien. Chaque fois que chacun d'entre vous, vous avez un truc particulier à faire, il faut que l'outil puisse vous le faire simplement et après faire vos tableaux de bord. Mais voilà. Donc, évidemment que la question de l'occupation des bâtiments et de leur consommation et du lien des deux, et c'est super intéressant parce que ça permet de donner du moteur d'objectif. Ok, mais écoutez, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci grandement à toi, William, et à Sébastien. J'espère que ça À a tous. répondu à vos questions, en a suscité d'autres. Et puis, écoutez, on est à votre disposition, William et moi, pour tout besoin, toute demande. Et puis, très bon appétit à tous. Et On puis, oui. avait juste une dernière question que je voulais Ah. régler. Le foncier est concerné par la stratégie immobilière, surtout dans les collectivités locales où la dimension foncière est très importante. Une question qu'on a un peu zappée de 12h18, là je viens de m'en apercevoir. Voilà, réponse est faite. Désolée. Bon appétit à tous. Bon appétit, puis Merci à on vous tous. envoie le support de présentation et le replay. Vous allez recevoir ça d'ici demain matin. Merci, à bientôt. Bonne Au journée. revoir.